Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Limit Travel. Alors aujourd'hui, nous allons faire le remplissage de la troisième paye du mois de septembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors de ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais avoir trois payes et la dernière est tombée le vendredi 30 septembre. Donc, ceci étant dit, nous allons débuter le système des enveloppes et je vais vous demander d'attendre à la fin de la vidéo pour que je puisse enfin vous annoncer les deux gagnantes pour celles qui ont gagné les classeurs pour le système des enveloppes. Voilà, donc nous n'allons pas tarder, nous allons directement commencer par le remplissage des enveloppes. Donc la catégorie fun, c'est une enveloppe avec un budget de 30 $, 2, 3. Alors en général, je fais le challenge 10 $ avec ce billet, parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a trois billets différents. Alors, il y a le plus courant, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et là, je trouve que, en fait, j'aime bien ce billet, il est très beau. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire le challenge. Mais je le fais quand j'en ai envie, en fait. Et là, je ne pense pas que je vais pouvoir l'utiliser pour le challenge. Mais bon, en tout cas, j'ai rempli l'enveloppe et tout va dépendre de mon humeur, tout simplement. Donc, j'ai 20, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100. J'ai 100 $ dans cette enveloppe. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez encore une fois, pour cette catégorie fun, ça englobe tout ce qui est, par exemple, les sorties culturelles, si jamais aussi on a des. Je suis invitée chez des amis et tout, bah je me dis j'ai une petite enveloppe qui est dédiée à cet effet pour ne pas empiétiner sur les autres enveloppes ou mon budget tout simplement. Donc la catégorie beauties, c'est un budget de 45 $. 20, 40 et 5. Alors. Donc, j'ai déjà rempli les dates, mais je le remplirai aussi hors caméra, ce que j'ai dans les enveloppes. Donc là, ça fait donc 100. Donc, attends, je crois que je vais changer comme ça. Ce sera plus simple pour moi. 2, 4, voilà. Donc, j'ai 100, 200. 220, 230, 240, 250, 200. Oh là là, on recommence. Donc j'ai dit 220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95. 295 $ dans la catégorie beauties. Alors, la catégorie for me, c'est 100 $. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà mis 1 300 $ dans mon compte en banque. Donc là, je prends 100. Donc, il y a 1 300, 1 400 et 1 500. Donc, j'ai 1 500 $. Et en général, cette enveloppe, elle est dédiée pour mon anniversaire ou pour mes achats perso. Alors, juste un instant. Donc, voilà, nous sommes arrivé à l'enveloppe Travel. Travel, c'est un budget de 100 $. J'ai également mis 4 130 $ dans mon compte en banque. Donc 100. Donc ça fait 4 230, 4 330. Voilà. Ça, c'est ici. Gift. C'est un budget de 10 $ cette paye-ci. Donc ça fait 20, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95. Donc 95 $ ici. Ça c'est fait. Orlando. Orlando, c'est un budget de 30 $. Donc, j'ai déjà mis dans mon compte 1 975. Donc, j'ai
Avec l'autre paye, j'ai eu 2005 plus 30, ça fait 2035 dollars. Donc là, ça fait plaisir. La catégorie miscellaneous. Alors, ça, c'est tout ce qui est divers. Par exemple, si j'ai envie d'avoir du cash sur moi et que j'ai pas ou autre, je pioche dedans, en fait, directement. C'est vraiment un petit secours. Donc, dans cette enveloppe, c'est 45. Je sais pas si je peux faire 20. Ouais, 45, comme ça. Donc 45 et maintenant j'ai 20, 40, 60, 70, 75, 80, 85, 90. Donc 90 dollars. Je ne sais pas si ça va rentrer comme ça, mais je vais faire. Je vais faire comme ça pour que ça puisse rentrer dans la pochette. Parce que oui, les billets sont beaux, mais quelquefois, c'est pas très pratique quand tu les plies comme ça. Parce que ça glisse beaucoup. Alors. Donc voilà. Ah, voilà. C'est en train de décoller le truc. Bon, c'est pas grave, je vais le refaire plus tard. Les 50 dollars restants, c'est pour mon challenge. 50 dollars aux 2 semaines. Donc en gros, chaque paye, j'enlève 50 dollars et que je mets dans une tirelire à part. Donc juste un instant, on va passer au moment du tirage au sort. Voici les deux classeurs que je vais vous faire gagner. C'est pour fêter les 1 an de la chaîne et aussi pour vous remercier de m'encourager dans cette aventure. Ça me fait extrêmement plaisir. De vous avoir en fait comme communauté. Je suis très 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 contente aussi de vous avoir lu, d'avoir vu qu'il y avait des personnes qui ont voulu participer à ce jeu concours. Donc, je suis très 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 contente. Alors, pour le tirage au sort, il y a eu beaucoup beaucoup de choix pour les deux. Donc, en gros, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre tous les noms dans le même pot et de tirer 2 personnes pour les classeurs. Donc, le premier classeur sera pour paillettes. Donc, on va tirer, tirer, tirer. Et là, Johanna Diaz. Je ne sais pas si vous voyez Johanna Diaz. Donc, félicitations à toi. Tu as gagné celui-ci. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un courriel pour que je puisse prendre tes coordonnées et te l'envoyer à ton domicile. Et pour celui-ci, roulement de tambour, roulement de tambour. Tac, 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 tac. Valérie Potez. Valérie Potez. Donc, voilà. Tu es l'heureux élu pour celui-ci. En tout cas, je suis désolée, oui, j'ai pu en faire gagner que 2 personnes, mais je me dis ce n'est que partie remise parce que si je peux vous remercier comme ça, ben, je le ferai avec grand plaisir et dans tous les cas, restez connectés parce que je vous réserve, j'ai beaucoup d'idées aussi pour pouvoir développer cette chaîne et donc en tout cas, je suis vraiment, mais vraiment contente. Merci encore de me soutenir. Merci à toutes les personnes qui ont participé au jeu concours. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel les deux gagnantes pour que je puisse vous envoyer le joli petit cadeau chez vous. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes, d'énormes, d'énormes bisous. Je vous dis à très vite et en tout cas, on lâche rien pour les économies. Bye bye!